Rabat Solar Team. En fait, nous sommes une équipe des élèves ingénieurs. On travaille sur la réalisation et la conception des voitures solaires. D'ailleurs, on a déjà réalisé deux prototypes. Le premier, c'était Fennec. Le deuxième, c'était Eliadora. Eliadora, c'est le projet avec lequel on a présenté aujourd'hui dans cette exposition du Forum Mines Rabat Entreprises. Et avec ce projet-là, on a pu participer en fait aux différentes compétitions. La Moroccan Solar Race Challenge à Marrakech avec deux éditions. Et il y avait aussi la United Solar Challenge à l'Égypte, c'était l'année dernière. Et actuellement, en fait, on travaille sur un nouveau projet qui sera plus performant. C'est la voiture solaire la plus puissante au Maroc, nommée Eliadora 2. Enfin, ce projet-là, il a des caractéristiques, soit mécaniques ou bien techniques en général, qui va la caractériser des autres projets, soit qui sont déjà au Maroc, ou bien le projet qu'on a déjà réalisé. Et en fait, l'objectif de notre club derrière la réalisation de ce nouveau projet, c'est la participation à une compétition solaire mondiale qui sera organisée à l'Australie en 2019. C'est la World Solar Challenge et on aimerait bien représenter honorablement le Maroc dans cette compétition et on aimerait bien aussi faire circuler l'idée de la promotion des énergies renouvelables parce que derrière la réalisation de ces projets-là, il y a un objectif ultime, il y a une idée qu'on cherche à circuler, c'est promouvoir l'énergie solaire, promouvoir ces énergies qui sont amies de l'environnement et de la nature. Et d'ailleurs, les pays en cours de développement, ils sont souvent dirigés dans les énergies renouvelables qui vont donner une certaine rentabilité pour l'industrie et pour le secteur automobile en particulier.